Bon voilà les gars, on arrive à la suite de la vidéo, on arrive à la fin du parcours, j'ai enfin trouvé ce qu'il fallait faire hier, là où j'ai galéré avec avec Nico et Adripoc, j'ai enfin trouvé tout à l'heure après. Bon, j'ai pas mal cherché, j'ai enfin compris qu'en fait, il fallait tout simplement monter en haut là de la structure, et pour monter en haut de la structure, bah c'est simple, c'est par ici que ça se passe. Par contre, je vais mourir. Et du coup, il faut vite monter, il faut vite monter. Il y aura une citrouille qui est ici et c'est gagné. Tout simplement, voilà les gars, mon avis sur cette escape game, je dirais que cette escape game est vraiment incroyable. Franchement, quand je l'ai fait hier avec... Quand je l'ai fait hier avec Yoga et Adripoc, on a super bien aimé le système, l'ambiance, le décor, les mécaniques, tout ça c'était cool. Franchement, XWDFR, n'hésite pas vraiment à refaire ce genre de map avec moins de bugs. Oui c'est compliqué, mais sans trop être compliqué. Après on n'a pas trop compris pourquoi il y avait une deuxième tempête. La première fois, on se cachait dans la tempête, on essayait de tirer dans les fenêtres en bleu là, parce que moi, je me suis dit, mais en fait, il faut tirer dans toutes les fenêtres qui étaient bleues, mais en fait, non, c'est de la décoration. Le système de la citrouille, à la fin, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. On a franchement galéré et j'ai trouvé ce matin, enfin, comment qu'il fallait faire. C'est pour ça que je vous mets la suite de cette vidéo. Ma note, je mets 8. 8 sur 10. Et sur ce, ben mec, ben, GG pour ta map, elle est super cool. Super bien travaillé, quelques petits bugs, surtout au départ, il n'y a pas toujours le bouton qui est derrière le siège. Mais voilà, mis à part quelques trucs qui déconnent, franchement ta map elle est parfaite. Si tu vois ma vidéo, essaye de me dire combien d'heures t'as fait pour faire la map, t'as bien dû bosser. Sur ce, les gars, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain Escape Game. Sur ce les gars, portez-vous bien et à la prochaine.